Précédemment, dans The Big Game of Ski. Donc je pense qu'on va basculer dans le mode The Walking Dead du jeu, et ça va être pas mal. Alors on va aller chercher une petite fille qui est probablement infectée, et j'ai un arc. Ok. Petite, petite, tu es dans le coin? Un pneu tueur! Ça n'arrête pas. Ah si Rick était là, ça se passerait autrement parce qu'il a des plans lui, Rick. Dealer est peut-être dans le coin. Je pense que ça va dériver. On va passer de Walking Dead à Silent Hill. Étrangement. Fort. Alors faut que je me méfie parce que j'ai plus qu'un bandage pour me réparer. Ça s'est verrouillé bien entendu. Il va falloir que je trouve une pince. Ok. Je vous laisse profiter du silence. Thank you.
fait pas. Bon, va falloir que je commence à me méfier de ces zombos s'ils ont l'air de devenir un petit peu plus malins que d'habitude. Ce qui est un petit peu gênant. Voilà ce qu'il me fallait. Je sens que maintenant je vais avoir un comité festif juste pour moi. Alors c'est une fille, elle casse moins de trucs quand même. Contrairement à Jack qui lui était un bon gros bourrin. C'est pénible ça, on voit pas bien la porte où on doit passer. Je peux pas y pousser ça? Ok. J'arrive pas à sortir. Coucou les loulous. Il avait l'air gros lui. Il y a des petits ongles de caméra des fois qui sont un petit peu merdés. Ça sent la pas faite.
Oh, le beau jouet. J'ai pas pu m'en empêcher. Va prendre des kits de première nécessité, ça pourrait être utile. Hop là. Ça m'a l'air bien. On y va. Les enfants, restez par terre, ne bougez pas. Qu'est-ce que j'avais dit? La discipline et les mômes de nos jours, c'est plus ça. J'espère qu'ils sont pas trop vifs, sinon je vais directement sortir cette nouvelle arme qui m'a l'air fort sympathique. Ils sont très vifs. Des enfants. Voilà, les cuistots ont l'air vénère. Thank you.
ça va être encore mieux. Récupère un Playboy sur le cuistot quand même. La santé, ça va à peu près. Je vais me remettre le fusil, tiens. Ce sera plus sympa. Des petits bonus. On avait beaucoup trop de choses à lire. S'il y a du whisky, c'est que Jack n'est pas très très loin. Une issue là? Non, faut faire le tour. Ok. Vous avez vu que je respecte le silence. Apparemment, ça faisait des petites expériences rigolotes ici. Ah, je peux pas trimballer plus de cocktails Molotov. RIP Kevin. Game saved. J'aime pas trop ça. Ce serait pas une caisse de munitions, ça les amanche. Ouais. Quand tout ce petit monde va se réveiller, ça va pas être bon. Non, c'est un lance-flamme. Je suis en train de me faire attaquer. C'est traite ça, pendant les sets, on se fait attaquer pendant les cutscenes. Et j'ai plus de bandage les amis. Aïe aïe aïe, j'aimerais bien retrouver mon ami dealer. Parce que ça risque de pas très très bien se passer pour moi. Je sais plus où t'es ce lance machin. Calme. Merde, bah alors, bande de bozos, va. Regardez-moi les qui m'attendent bien, ça je m'en rallonge. Coucou! Ouh, ça court là-haut. On va faire comme ça. Moi je suis sûr de pas les rater comme ça. Quoi, plus de munitions? Ah, ça c'est moche.
alors les Walking machin, on fait des malins. Cadeau. On a encore. Ah, ce n'est pas ça. Non, non, revenez les gars, c'était pour rire. Ces petits chamallows qu'on va faire brûler, c'est trop mignon. Il y en aura pour toi aussi, t'inquiète. Je surveille juste ma jauge, parce que je pense que ça doit être calculé pour que je passe juste au milieu là. Et qu'il y a un moment où ça passe. Oh, ces zombies longues. Je peux pas courir avec cet appareil. Je suis passé sans trop d'encombre, on va dire. Alors, faudrait que je puisse sauvegarder quelque part. Genre là, ça serait bien. Bring. Que c'est bienvenu ce bandage. Je vais vérifier qu'il n'y a pas une autre issue. Non. Petit cadeau, petit bonus. Non. On y va. C'est pas très sûr de courir là-dedans avec un arc, mais je vais quand même le faire. Je vais inspecter un petit peu tout avant d'avancer vraiment. Hop. Ça doit pas aller loin ça. Non. Si, oui, peut-être. Hop là, abîmer les bandages, c'est fermé. Ça c'est open. Et ça c'est pas open. Si. Alors la partie exploration est très linéaire. Elle est pas. Oh, une Game Boy. Elle est pas super gégène, ils auraient pu se permettre de faire quelque chose d'un petit peu plus étendu, où on puisse s'égarer et pas être en mode bah tu suis quoi, tu suis le script dude. Bon, je peux pas passer là. C'est le petit reproche qu'on va faire à ce jeu. Parce que pour le reste c'est vachement rigolo. Moi qui disais c'est très linéaire, c'est tellement linéaire que là je peux plus passer. Alors j'ai pas fait quoi comme endroit. Ça? Non. Ça? Non. Si c'est locked d'un côté, c'est locked de l'autre, buddy. Je veux pas faire la personne pessimiste. Alors où c'est que je vais passer, tiens? Je peux pas passer là, je peux pas passer. Ah, reviens. Non, it's fucked up. Non, essayer de faire d'abréger ça, quoi, que ça dure pas 107 ans non plus. Alors j'ai dû passer devant un truc que j'ai pas vu. Ma grande spécialité. Et j'ai plus mon lance-flamme, je suis malheureux. En fait, fallait juste aller tout droit, crétin. Qu'est-ce que quoi? Oui. Ça va être l'hommage à Denis Darko, je crois. Cours pas trop quand même, on sait jamais. Une cata, c'est vite arrivé. Oui, ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une amoureuse qui va chercher son homme zombie libéré, tu sais, c'est pas si facile. C'est longtemps que j'ai pas croisé le monde ou c'est moi hein? Qu'elle s'ouvre ses portes en fait.
édition limitée. C'est sûr, Jack est dans le coin. Squeak. Squeak. C'est Alice in Chains. A jar full of flies. What does it mean? What does it mean? This is Halloween. Pourquoi je peux pas choper celui-là? Ah, voilà. On va y arriver. En tout cas, tout ça n'augure pas grand-chose de très festif. Longtemps que j'ai pas croisé des rr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